Bonjour à tous, bon réveil en direct sur Canal 3 Bélin. Bienvenue dans votre matinale L'Actu Matin. Au sommaire, la veille et cette veille des services des douanes béninoises. Ils ont intercepté plusieurs dizaines de tonnes d'engrais en partance pour un pays voisin, le Togo précisément, et ceci à hauteur de Wake, une opération réussie suite au dispositif mis en place par le gouvernement pour éviter la sortie frauduleuse des intrants subventionnés. Retour sur cette opération menée par les éléments du service régional de lutte contre la fraude douanière et l'unité frontalière avec notre invité, lieutenant-colonel Marcelin Laouroux, chef service d'intervention rapide et de lutte contre la fraude de l'Atlantique et du littoral. Le harcèlement sexuel est un fléau très combattu chez nous au Bénin et on en parle ce matin avec le dispositif légal. Nous interrogerons les différentes lois avec notre invité, avocate au barreau du Bénin, maître Alexandrine Saïzonou-Bédier. Elle nous apportera en plateau des éléments constitutifs du harcèlement et les sanctions prévues par la loi. On n'oublie pas cette date du 1er juin au Bénin. Elle est consacrée Journée nationale de l'arbre. Des plants seront une fois encore mis en terre dans plusieurs localités. On s'engage ainsi dans la lutte contre le réchauffement de la planète. On fera un état des lieux de l'existant avec les débatteurs en plateau. Ce sera le deuxième sujet que nous aurons à aborder ce matin. Et le tout premier, on parlera politique essentiellement avec les débatteurs, les législatives de 2023. Et on s'intéresse à cette une que vous découvrirez d'ailleurs avec Wahab Ali Kbara, la une dans la une des journaux. Le quotidien Matin Libre qui écrit ce matin que les démocrates et le parti Moël Bénin marquent l'union progressiste et le bloc républicain à la culotte. On reviendra sur ce gros titre de la presse ce matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Voici la météo. Juste après, vous aurez la une des journaux. Eh bien, après cette météo qui vous donne des précisions sur le temps qu'il fera tout au long de cette journée du mercredi, vous aurez dans la suite de ce programme matinal sur Canal 3 Bénin, le bulletin matinal et puis dans les titres, nouvelle forme d'insécurité en République du Bénin, rien à craindre, rassure le patron des flics, Alassane Seydou réaffirme la disponibilité et les moyens de la police républicaine pour traquer les auteurs d'enlèvement. Le ministre de l'Intérieur s'est prononcé hier sur ce phénomène en ascendance dans les villes. Vous l'entendrez. Lancement officiel de la formation de professionnalisation des guides touristiques béninois. Ils sont 54 en renforcement de capacité depuis hier mardi pour mieux vendre la destination Bénin. Le ministre de tutelle a procédé au lancement de cette formation. Restez avec nous. Le mini-journal, ce sera avec William Cliquant. Bonjour. Bonjour Christian Adam Lédian. Bonjour à tous. Et bienvenue. Merci. Et on va vous retrouver dans un instant, juste après Wahab Ali Kbara, voilà, qui va nous présenter la une des journaux.
Voilà les informations à la une des parutions du jour avec vous, Wakavali Para. Bonjour. Oui, bonjour Christian et bonjour à tous. Comme vous l'avez promis, on va prendre les premières informations. Nous sommes le 1er juin 2022. Le 1er juin de chaque année, le Bénin célèbre la journée de l'arbre. Cette journée nous fait assister à la mise en terre des plants par des autorités politico-administratives. Mais on s'interroge, que sont devenus les plants mis en terre depuis 36 ans? Et donc, Tanguy Agoyi, docteur Tanguy Agoyi, spécialiste en aménagement des espaces verts en milieu urbain, décrypte et fait des suggestions. C'est Quotidien qui en parle et titre, le quotidien Fraternité qui en parle et titre ce matin, 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres, un projet admirable, mais la flore toujours en quête d'appui. Docteur Tanguy Agoyi qui fait sa suggestion pour rapporter, il faut légiférer en imposant le nombre d'arbres qu'il faut avoir en mètre carré de construit. Renforcement de capacité des guides touristiques, le gouvernement met un point d'honneur à la qualité des ressources humaines. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure dans le bulletin matinal de William Cléquin et dans le reste de nos éditions. Affaire faux amis du procureur spécial près de la Criette. Deux accusés risquent 5 ans de prison ferme. À la une du quotidien Le Matinal, mairie de Boïcon, le préfet du Zou rétablit un agent limogé. Le quotidien matinal, Le Matinal qui donne à lire les raisons. En un de Talon 2, le secteur sanitaire en pleine mutation. Le journal propose également les explications du ministre en charge de la Santé, Benjamin Houkbati. Le potentiel, cette fois-ci, trafic d'organes humains, des auberges transformées en lieux d'assassinat pour crimes rituels. Traquer les auteurs et promoteurs complices, c'est la mission des autorités. Sur l'émission Le gouvernement en action à l'OATB hier, le ministre de la Santé, Benjamin Houkbati, expose les retombées des réformes sanitaires opérées. Info matin, homophobie dans le contexte socioculturel africain, Seydou Sabiboum lance le débat et puis 38e journée de l'arbre au Bénin, une initiative louable qui perdure. Mais pour quel résultat s'interroge Info matin? Le leader du jour à présent, pour juguler la crise liée à la cherté de la vie, Sa Majesté Sinon recommande la solution Vallée de l'Ouémé au chef de l'État, Patrice Talon. Et puis, le leader du jour nous apprend qu'il y a plusieurs manifestations qui sont prévues à partir du 7 juin prochain au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est bien entendu dans le cadre du 30e anniversaire de la justice constitutionnelle au Bénin. Quotidien d'Abaro, filière mangue au Bénin, une richesse mal exploitée. Et puis malentendu entre forces de sécurité béninoises et nigérianes, Cissé et Gbadamassi au front pour ramener la paix à Kabo. Le quotidien de service public La Nation, en un sous talon 2, le secteur de la santé en pleine mutation. Et puis défense et sécurisation du territoire national, la loi au secours des troupes. Quotidien Le Radar, Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé obtient son passeport. Et puis du joug des bœufs transhumants, Dovi affranchit autorités diverses, félicité. Quotidien Les Quatre Vérités, meurtre du jeune Anissé Dagba à Toba dans la commune d'Abomey-Calavi. Les parents demandent le jugement des présumés assassins. Et puis lutte contre la sortie des intrants agricoles, la douane saisit 40 tonnes d'engrais à Sonahoulou. Et puis le colonel Lauro dévoile les peines contenues dans l'article 50 du code douanier. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure quand on recevra Massurin Lauro sur ce plateau. Soleil levant, promotion du leadership féminin dans les entreprises. La présidente Claudine Prudencio s'engage pour la compétitivité de la junte féminine. Et puis, décision du préfet du Zou au sujet du directeur de la régie suspendu par le maire de Boïcon, un camouflet pour Rufino d'Almeida. Quotidien La Boussole, pour finir, Christian Dandéjan. Bilan de l'an 1 du second quinquennat du président Patrice Talon, Robert Guignan salue les prouesses du chef de l'État. Tous les signaux, selon lui, sont au vert pour un véritable développement
du pays. Voilà, Christian, tout rapide, hein, des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur la célébration de la journée de l'arbre avec les suggestions de Dr. Tanguy Agoyi. Il faut légiférer en imposant le nombre d'arbres qu'il faut avoir au mètre carré de construit. Justement, Tanguy Agoyi, que vous avez la possibilité de lire en page 2 et 3 du quotidien Fraternité ce matin, la parution de ce jour 1er juin 2022, la date du 1er juin de mémoire, hein, commémoré, célébré, journée de l'arbre. 8 ans plus tard, quand cette opération a été lancée, il s'agit de l'opération 10 millions d'arbres. Et bien, 8 ans plus tard, on se pose un certain nombre de questions quant au suivi des plans mis en terre, quant à leur entretien. Et vous suivrez donc cette analyse de Tanguy Agoyi qui propose qu'il faudra donc légiférer en imposant le nombre d'arbres qu'il faut avoir au mètre carré de construit. Allez dans les kiosques, vous avez le journal Fraternité ou sur le www.fraternitébj.info et vous avez les détails sur cet article et cet entretien. Restez avec nous sur Actu Matin. Les informations, c'est en image à partir de cet instant et ce sera avec William Plicker. Bonne fête, maman! Pour toi, je ferai tout. Et pourtant, j'ai toujours parlé des boutiques Aloe Néo dans cette maison. Maman, pour toi, je ferai. Maman, yo, maman, yo. Ne wanna la salle. Et oui, Mikem Technologies met le sourire aux lèvres aux mamans jusqu'au 10 juin à travers sa promo spéciale Fête des Mères sur toutes les gammes de produits. Et pour ne plus vous casser la tête, faites comme moi en offrant à maman un chèque cadeau Mikem Technologies d'une valeur allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Produit sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison disponible. Contact 60 00 66 66. Le midi journal sur Actu Matin. C'est un autre visage de l'insécurité qui s'affiche depuis pratiquement 3 ans. Le phénomène prend de l'ampleur et met les éléments de la police républicaine en état d'alerte. Il s'agit de l'orchestration des enlèvements de personnes avec exigence de rançon. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, face à la presse mardi, dénonce cette nouvelle forme de criminalité. Par la même occasion, Alassane Seydou appelle au calme tout en réaffirmant la disponibilité des forces de sécurité à traquer les auteurs de ces Zacton. Je vous propose de l'écouter. Depuis 2019, il se développe dans notre pays une nouvelle forme de criminalité qui consiste à procéder à l'enlèvement de proches, de responsables politico-administratifs ou de personnes fortunées avec exigence de paiement de rançon avant leur libération. Le gouvernement de la République du Bénin s'est dès lors évertué à éradiquer ce phénomène en dotant les unités spécialisées de la police républicaine de moyens logistiques et techniques subséquents. Mais depuis quelques mois, la tendance baissière observée commence à laisser place à une résurgence du phénomène avec un indicateur majeur qui découle de l'étude des cas. Il s'agit de l'orchestration des enlèvements par la plupart des prétendues victimes pour y tirer un profit financier en partageant la rançon payée par leurs parents avec des ravisseurs factices. En définitive, il n'y a aucun doute que la recherche du gain facile amène une frange de nos concitoyens à se départir des règles morales pour adopter des comportements déviants du genre. Pour assurer le calme et la sérénité nécessaires au développement socio-économique de notre pays, la police républicaine, en liaison avec les autorités judiciaires, ne ménagera aucun effort pour débusquer les citoyens indélicats qui s'adonnent à de telles pratiques. C'est pourquoi
Je voudrais inviter toute la population à une franche collaboration avec les forces de sécurité publique en dénonçant tout comportement suspect dans ce domaine, afin que leurs auteurs subissent la rigueur de la loi. Voilà, à l'instant, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Et dans la suite de votre bulletin matinal, hein, on parle de cet acte 2 de la sortie de découverte hein, des marchés modernes en construction dans la ville de Cotonou. Avec vous, William Cliquant, nous faisons le tour. Bien sûr, Christian dans les gens. Après la visite des nouveaux espaces marchands de Gbegama, Kadjeoun et Sainte-Trinité, c'est le tour des responsables des marchés de Tokplegbe, Midombor ainsi que PK3 de visiter leur lieu de vente toujours en chantier. L'initiative de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire a permis aux bénéficiaires d'apprécier les travaux en cours. Détail Teddy Goudal. Les responsables des marchés de Tokplegbe, de PK3 et de Midombor sont les nouveaux privilégiés pour la visite des marchés modernes en construction à Cotonou. C'est la deuxième vague des bénéficiaires qui découvrent ces chefs d'œuvre qui bientôt les accueilleront pour leurs activités. Nous avons la joie au cœur après la visite des lieux. Le marché est bien présentable. Grand merci au chef de l'État. Nous n'espérions pas voir un marché aussi impressionnant. Nous sommes très contents. Ce que nous avons vu aujourd'hui, surtout à Tokplegbe, PK3, Midombor, nous a beaucoup sidérés. Sidérés au point où le chef de l'État, nous allons lui dire toujours merci. Je vois qu'on nous impulse une nouvelle manière de faire le commerce, le remodelage. Puisque mes femmes des marchés ne sont plus habilitées à faire le tour comme elles ont l'habitude de le faire. Maintenant, il y a la sectorisation de la vente de certaines marchandises. Elles vont s'y habituer. La visite intervient comme une assurance pour les bénéficiaires qui sont désormais convaincus que leur réintégration sera bientôt une réalité. Le marché de PK3 étant essentiellement dédié à la vente de friperies, occupe un espace de 3 hectares avec les commodités qui l'accompagnent. Il a pour compartiment des différents types d'espaces de vente. Nous avons d'abord le premier qui est le plus important, c'est les étals. Les étals sont ces petits espaces de vente pour les détaillants. Après, nous avons aussi les boutiques qui sont un peu réparties de façon stratégique. Ils font face aux voies d'accès du marché. Et nous avons les deux autres types qui sont les ventes en gros. Bien sûr, il y a d'autres espaces qui sont des locaux administratifs, les locales pour les déchets et aussi une infirmerie et des espaces d'urgence pour faciliter l'accès des sapeurs-pompiers, l'intervention de la police. Les hangars de Partey, là, c'est un peu petit pour le marché de friperie. On a visité, on est contente, mais pour ça, ils doivent nous aider sur ce point. Il est de bon ton que les usagers puissent, dans une logique d'appropriation, d'implication et d'appropriation, visiter les lieux pour apprécier les différents aménagements qui ont été réalisés et véritablement s'imprégner déjà de cette réalité qui bientôt serait la leur. Les bénéficiaires n'attendent qu'une seule chose, leur réintégration pour la poursuite de leurs activités respectives. Ils implorent à cet effet l'indulgence du chef de l'État pour une réelle transparence dans le processus. Eh bien, loin des marchés maintenant, les animateurs radio partenaires du programme Access, appui aux communautés et communes pour l'expansion des services sociaux, ont reçu leurs attestations de formation. Le partenariat a permis de produire des émissions dans le but de susciter et de renforcer l'adhésion ainsi que l'engagement des populations pour la cause du développement à la base. L'événement est couplé avec une remise de prix également aux meilleures productions issues du concours organisé par Access. Y met Hélène Amoussou pour les précisions.
Pendant 30 mois, elles ont joué un rôle important dans la mise en œuvre du projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux à CES. Répartis suivant la carte d'intervention du projet, les 35 radios partenaires avaient à charge de produire des émissions en français, mais surtout en langue nationale. Les productions visent à susciter et renforcer l'adhésion des acteurs du projet, notamment les communautés bénéficiaires à l'approche DCC, développement conduit par les communautés. C'est aussi un partenariat qui a permis la coproduction en français de 1670 minutes d'émission en français, donc, qui sont mises en ligne sur le site du projet. Nous avons pensé à délivrer une attestation de reconnaissance à tous ces animateurs et ces animatrices qui ont vraiment œuvré pour diffuser la réussite du projet Access, parce que, en effet, Access fut une réussite sur le terrain. Les réalisations ont aussi pour objectif de transformer l'adhésion des populations en engagement pour une mise en œuvre réussie. Cette rencontre, tenue à un mois de la clôture du projet, est le cadre choisi pour célébrer les succès obtenus, mais également le mérite des 70 animateurs concernés. La cérémonie de reconnaissance est couplée avec la remise de prix des meilleures productions retenues à l'issue d'un concours. La compétition a été initiée par l'équipe de coordination du projet exclusivement à l'intention des radio partenaire. Étant donné que vous êtes de certains, vous venez chacun des organes, je veux dire des radios, nous avons également, et par une méthode, retenu les trois meilleurs partenaires, pour le leur reconnaître. En somme, nous avons conduit avec les radios un partenariat presque unique en son genre. Le thème du concours est intitulé « Communauté transformée au contact du DCC ». Les productions soumises ont illustré des réussites communautaires particulières et des cas concrets de transformation de la situation initiale après l'intervention du projet. Au thème des travaux conduits par un jury, les résultats se présentent comme suit. Les trois meilleures radios du partenariat. Troisième, Radio Monkoufé, Basila. Deuxième, Radio Fraternité de Parakou. Et la première radio, c'est Radio Trait d'Union. Boycon. Résultat du concours de la meilleure production maintenant. Troisième, Gisèle Zanou, Radio Hosanna. Deuxième, Pascal Daoué, Radio La Voix de Lokosa. Premier, Mélanie Achaoué-Douba, Radio Lalo. Projet d'envergure, ACES a été mis en œuvre dans les 77 communes du pays. Avec les radios partenaires, l'équipe de coordination a profité de leur proximité avec les communautés bénéficiaires pour réveiller les consciences à travers la dissémination de l'approche DCC, qui est la démarche d'intervention du projet. Et nous irons à présent à Boumé avec vous, William Cliquant. L'évêque d'Aboumé a rencontré les professionnels des médias pour préparer la 56e édition de la Journée mondiale des communications sociales. Christian Dandédian, retenez que cette année, l'événement est placé sur le thème « Écouter avec les oreilles de cœur ». Les échanges à l'occasion de ce déjeuner ont porté sur le message adressé par le pape François à la communauté catholique. Précision, Ymet Hélène Amoussou et Georges Vaudou. Monseigneur Eugène Cyril Rouné confasse aux hommes des médias exerçant dans le département du Zou. Les échanges sont initiés dans le cadre de la commémoration de la 56e Journée mondiale des communications sociales. Elle est célébrée le 29 mai de chaque année. Il s'agit pour nous de célébrer la valeur de la communication, qui est une rencontre imprégnée de l'amour, de la volonté de contribuer au bien des autres, au bien des populations, de la volonté de s'écouter pour pouvoir coopérer, pour pouvoir solliciter la solidarité des autres, de la volonté tout court de vivre des rencontres humaines imprégnées profondément des valeurs de vérité, de compassion et des valeurs également de partage. Les manifestations de cette édition 2022 sont placées sous le thème « Écouter avec l'oreille du cœur ». À travers un message depuis le Saint-Siège, le pape François s'est adressé aux fidèles catholiques du monde. Le souverain, dans ses analyses, a mis l'accent sur la nécessité pour chacun d'affiner son sens de l'écoute. Cette rencontre avec les professionnels des médias a été l'occasion pour le chargé des communications sociales au sein de la conférence épiscopale du Bénin de revenir sur les exhortations ainsi que les attentes du Saint-Père. Pour la circonstance, l'évêque d'Aboumé avait à ses côtés les membres de la commission diocésaine des communications sociales. En général, ce message peut concerner tout le monde. Quand nous sortons du cadre professionnel de la communication, nous pouvons l'étendre aussi à tout le monde,
où le pape invite tout le monde à écouter son prochain. Les ménages aussi, les couples, on doit s'asseoir et écouter. Parfois, il y a des situations qui nécessitent simplement l'écoute de l'un ou de l'autre pour avoir une solution et nous passons à côté. Donc, le pape invite tout le monde à s'asseoir et s'écouter, prendre la patience d'écouter l'autre. Écouter avec le cœur, c'est pour dire que dans l'exercice de la mission des professionnels des médias, il est important que leur travail soit marqué par le désir de rencontre. Rencontrer également ce qui se produit dans les faits de nos sociétés pour comprendre, pour s'instruire, percevoir l'objectivité et en même temps, dans un désir profond, d'éprouver la chaleur humaine de celles et de ceux vers qui l'on va. Et ce faisant, on vit une activité pleine d'humanité. Parce qu'on est présent vis-à-vis de ceux qui sont là. On ne se laisse pas porter uniquement par les arrière-pensées ou les sujets préconçus, mais on est aussi ouvert à ce qui se dit. On est aussi ouvert aux préoccupations des autres. Dénommée la catholique des médias, la rencontre est annoncée pour être annuelle. C'est une initiative qui vise à rapprocher le diocèse avec les professionnels des médias en vue de partager des informations, mais aussi nourrir en connaissance l'Église d'un côté et la société en général de l'autre. Retour à Cotonou pour cette cérémonie officielle de remise de certificats HA2CP des agréments UEMOA et CEDEAO pour des autorisations de mise en marché AMM. C'est bien les thèmes pour les spécialistes des entreprises, eux qui précisément sont dans le domaine de la transformation des produits dérivés de l'ananas. Voici le reportage de Ouliat Sanoussi et de Rachidi Soubérou. Des entreprises de transformation d'ananas au Bénin reçoivent officiellement ici des certificats HACCP, des agréments UEMOA et CEDEAO et des autorisations de mise en marché AMM. Une initiative de Partners for Development, PFD, qui, grâce au financement du département américain de l'agriculture, met en œuvre depuis 2016 le projet PINES entendé Pineapple Processing for Exports. Ce projet vise notamment à développer l'exportation de l'ananas, de son jus et autres dérivés vers les marchés de l'Afrique et de l'Europe. Grâce à cet accompagnement, 6 entreprises de transformation d'ananas du Bénin sont certifiées HACCP. 13 ont obtenu les agréments UEMOA et CEDEAO et 2 autres sont autorisées par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments à mettre en marché leurs produits à travers l'autorisation de mise en marché. Le Bureau Normes Audit BNA est un organisme de certification ivoirien accrédité basé en Côte d'Ivoire qui intervient en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a entre autres pour vision de faciliter l'accès au marché de ces entreprises locales à travers la certification aux normes internationales. La certification HACCP qui a été délivrée à la Divine Industrie est une certification de reconnaissance par BNA pour la mise en place d'un système de sécurité sanitaire de ces produits. Nous pouvons compétir avec les autres entreprises de la sous-région grâce à ces certificats obtenus avec les soutiens du PINES et du gouvernement. En effet, après la signature de ces agréments par le ministre de tutelle, il reste le chemin parfois très long de leur notification aux autres États membres. C'est là que nous trébuchons encore au Bénin. L'ananas est l'une des filières phares du programme d'action du gouvernement. Et selon le représentant du ministre de l'Agriculture, ces différents certificats et agréments permettront aux entreprises de convaincre d'une part les clients sur la qualité de leurs produits et d'autre part d'être plus compétitives sur les marchés de la sous-région et au plan international. La certification de 6 entreprises de transformation d'ananas, l'attribution de 13 agréments UEMOA et CEDEAO et l'autorisation de mise en marché obtenue par 2 entreprises de transformation d'ananas sont un début des résultats des interventions du PFD qui entend, dans les semaines et mois à venir, augmenter substantiellement son appui jusqu'à toucher toutes les entreprises
en activité dans le secteur. Et pour ce faire, Partner for Development envisage travailler en parfaite symbiose et dans une franche collaboration avec les agences gouvernementales et les autres partenaires techniques et financiers du secteur de l'ananas. En tourisme, pour finir, le programme de renforcement des capacités de guides recrutés pour booster le potentiel du Bénin dans ce domaine. Ce programme a officiellement été lancé hier à Cotonou. Il s'agit d'un exercice de formation qui vise à professionnaliser les différents acteurs pour le rayonnement de la destination Bénin. Une formation qui dure plusieurs semaines. La cérémonie officielle de lancement avec Narcisse Alessay et Henri Ganti. Voici les 54 guides touristiques recrutés pour porter la vision chère au régime actuel, hisser le tourisme au rang de deuxième pilier de développement du Bénin. Des hommes et femmes venus de pôles touristiques divers et tirés d'un lot de 199 candidats après un travail minutieux conduit par des professionnels du tourisme avec les experts de l'enseignement technique et professionnel. C'est le lieu qu'il en fallait de remercier les membres du comité technique de suivi et du comité de pilotage pour leur rigueur, membres qui se sont investis avec sérieux et détermination pour donner ces résultats que nous avons examinés, mon collègue et moi, et validés. Le Bénin regorge d'un grand potentiel touristique, mais il faut des ressources humaines de qualité pour mettre ce potentiel en valeur. Monsieur le ministre, c'est ce que nous faisons aujourd'hui et cela va se poursuivre. 54 ambassadeurs de la destination Bénin qui, cette semaine durant, sont appelés à se familiariser avec les nouveaux outils et les nouvelles techniques de guidage en tourisme. Le travail se fera autour de 24 modules de formation avec l'appui de l'Organisation mondiale de tourisme et de la Banque mondiale. Nous travaillons ensemble avec vous et vos accompagnants. Quand je dis accompagner, c'est-à-dire c'est vous qui donnez le chemin et nous vous appuyons et nous conseillons et nous apportons des financements dans le développement des produits touristiques et surtout, comme aujourd'hui, dans le développement des ressources humaines. Aux commandes de ce vivier de professionnels du tourisme, des experts internationaux qui aborderont dans leur enseignement des thématiques qui répondent aux exigences de la modernité. Les exigences que nous imposent aujourd'hui, plus que jamais, le secteur du tourisme nécessite que nous affûtions nos armes pour un rayonnement de la destination à la hauteur des ambitions du gouvernement. C'est un honneur pour ces acteurs de pouvoir faire, grâce à vous, ces pas de géant. Je voudrais alors vous exhorter à être assidus, attentifs, pour capter les enseignements qui feront de vous un type nouveau de guide de tourisme. Parallèlement à ce programme de renforcement des capacités de 54 guides touristiques, l'État prévoit un autre de 700 professionnels en situation d'emploi qui sera lancé dans les tout prochains jours. Des efforts qui visent à contribuer à l'accroissement du tourisme transfrontalier. Allez, bonne journée de mercredi à vous, Christian. Merci à vous, William Clécor. Très bonne journée. La suite d'Actu Matin avec le journal des sports dans un instant avec Hakimé Ousseni qui nous emmènera dans cette balade matinale du côté d'Abomey. Vous découvrirez ça. La pause pub. Placé en Paris, rendez-vous sur le site ou téléchargez l'application OneXBet, société de bookmakers. Akimé, bonjour. Christian Adandéjan, bonjour. Bonjour les sports, amis téléspectateurs. Les sports. Vous répondez. Les sports, bien entendu, c'est au menu du football avec bien évidemment les rencontres qui vont se disputer ce mercredi comme temps pour la 20e journée de la Super League Pro. On n'oubliera pas que c'est aujourd'hui que débat Christian les rencontres de la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et donc du coup, les rencontres qui sont au menu de cette 20e journée sont des rencontres, mettons quoi, très ouvertes au regard du classement sorti de la dernière journée, celle de la 19e, et où, comme je
vous l'ai fait constater il y a 48 heures, Coton Football Club a enchaîné deux défaites consécutives avec donc 6 points de perdu. Et du coup, eh bien, l'écart entre le leader et puis le dauphin est complètement rétréci. Coton reste leader, d'accord, mais avec 36 points, puisque juste à côté, Christian, nous avons les clubs tels que les Buffles FC de Parakou, nous avons les clubs tels que Dynamo d'Abomey, l'Autopopo, bien évidemment. Et donc, ce mercredi, comme vous pourrez le constater dans un court instant, les affiches s'annoncent, comme je l'ai fait constater tout à l'heure, très ouvertes. La jeunesse sportive de Pobé jouera contre l'Auto Football Club. La rencontre est prévue pour avoir lieu du côté du stade Jean Gascon de Pobé, pendant qu'ici, à Cotonou 2, AS Cotonou affrontera l'Union Sportive Cavalier de Niki, qui enchaîne des contre-performances. Jeffa défait lors de la journée précédente, jouera contre Dynamo d'Abomey. Dynamo d'Abomey, justement, vous l'avez vu un peu plus en précision avec la réalisation. Christian, Dynamo d'Abomey joue contre Jeffa. C'est une rencontre que Dynamo aura à faire donc en déplacement. Dynamo d'Abomey, justement, le week-end dernier, Christian, on en a parlé avec la grosse actualité, celle relative à l'arrivée à Abomey de l'ex-international togolais Emmanuel Chehia Adebayor. Au-delà donc de la présence d'Adebayor à Abomey, où Dynamo a corrigé les Panthères de Djougou par le score sans appel de 5 buts à 1, il n'y a que le match d'aujourd'hui est une rencontre très très importante pour Dynamo d'Abomey, la formation du coach Ibrahim Da Silva que nous avons visiblement déjà en ligne depuis la cité historique d'Abomey ou peut-être même déjà à Cotonou. Ibrahim Da Silva, bonjour, bienvenue, merci d'être en direct sur Sport Matin d'Actu Matin. Ibrahim Da Silva, j'espère que nous l'avons. Si nous ne l'avons pas encore, on va rappeler les affiches qui sont au menu donc, de cette 20e journée. Dadier, Christian, jouera contre Asvo. Le match est prévu pour se disputer également à partir de 16h. Outre ces 4 rencontres, on retiendra que 8 affiches sont au menu de cette 20e journée de la Super League professionnelle. Ayema jouera contre Espoir de Savalou, la formation de Savalou qui, à l'occasion de la journée précédente, aussi a eu un résultat intéressant. Panthère de Djougou, disais-je, a été battu lors de la précédente journée par Dynamo d'Abomey 5 buts à 1. Panthère recevra à domicile Adidja qui a fait donc qui a enregistré sa toute première victoire de la Super League professionnelle. C'était bien le week-end dernier. Les militaires sont en déplacement du côté de la cité historique donc de Djougou pour un résultat puisque eh bien le moral il est au bloc et les Panthères de Djougou ont donc comme défi à relever, se relever bien évidemment de la chute concédée à Abomey. Éternel Football Club joue la contre Beke de Bembéréke pendant que la rencontre au sommet de cette 20e journée est prévue pour se disputer du côté de Ouida. Christian, tenez-vous tranquille, vous suivrez le match entre Coton Football Club et puis les Buffles FC de Parakou. C'est une confrontation entre l'actuel leader de ce championnat, El Dauphin. Et le Dauphin, justement, c'est l'équipe vice-championne en titre de notre championnat de football. La rencontre est prévue pour se disputer à Ouida. Je rappelle qu'au match aller, eh bien, les Buffles se sont imposés par le score de 3 buts à 1. C'est une revanche qui se profile à l'horizon pour Coton FC. Les Buffles auront donc l'occasion également, je dirais, de faire complètement changer la donne au niveau donc du championnat de cette Super League professionnelle. J'avoue que la rencontre, elle, donc, s'annonce très ouverte au regard de l'enjeu, au regard des défis à relever par chacune des différentes formations. Non seulement Coton FC qui a considéré donc une première défaite à domicile et qui joue contre les Buffles FC de Parakou. Et les Buffles, justement, ont à cœur, bien évidemment, d'enchaîner les victoires et de réussir donc la passe de deux après, bien évidemment, la victoire du week-end dernier du côté de la commune de Parakou, puisque les Buffles jouaient contre Dadia Football Club, donc consolé par le score de 2-1, bien évidemment. Mais je rappelle que, outre donc cette rencontre Coton Buffles FC, nous aurons donc à suivre. Ici, donc, à Cotonou, est-ce Cotonou, est-ce Cavalier? Et je crois que c'est tout rentre, dans l'ordre. On aura dans un court instant le coach de Dynamo d'Abomey. Dynamo d'Abomey qui joue en déplacement contre Jeffa Football Club. En attendant donc d'avoir le coach Ibrahim Da Silva en direct, puisque visiblement la connexion n'est pas encore complètement rétablie. Christian va rapidement dire un mot sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Nous avons déjà les premières affiches qui sont au programme aujourd'hui, mercredi 1er juin 2022. Vous suivrez donc
sont dans le groupe E. Et à partir de 17h, les Palancas Negras d'Angola qui joueront contre l'équipe centrafricaine. C'est une des rencontres de cette première journée de l'acte 1 et l'acte 1er donc, des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Ghana joue contre le Madagascar. C'est à partir de 20h. Et puis, n'oublierez pas que vous avez également au menu de cette première journée, de ce premier acte de rencontre inaugurale des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le match qui opposera la Libye au Botswana en attendant donc demain jeudi. Et puis les autres affiches qui vont se disputer dans leur entièreté à partir donc du vendredi, ce sera bien évidemment les rencontres du week-end. On n'oubliera pas que le Bénin est engagé donc dans ces éliminatoires. Le Bénin jouera donc le 4 prochain contre le Sénégal. Le Bénin sera en déplacement du côté donc de Dakar. Mais en attendant de parler de cette rencontre, on fera constater que eh bien, les séances d'entraînement se sont poursuivies. C'était une séance à huis clos. Les formalités administratives sont en cours, notamment le test COVID, les résultats et puis bien évidemment l'embarquement, puisque visiblement si tout est bien nulé, eh bien, la délégation béninoise quittera Cotonou demain, jeudi 2 juin de l'année 2022, en attendant bien évidemment la rencontre qui est prévue pour le samedi 4 juin 2022. En gros, voilà un peu l'actualité telle que présente en ce qui concerne les rencontres qui vont se disputer à partir donc de ce mercredi comme temps pour la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Est-ce que avec la régie, tout est rentré dans l'ordre, Christian? Retenez bien évidemment que de voir, le Bénin se prépare activement pour cette première sortie, puisque le Bénin joue contre le Sénégal. Ce sera donc le 4 juin le 4 prochain. Juin, oui. L'équipe est tout au complet. Oui. On l'a fait constater il y a des gens dehors, donc du seul forfait, celui donc de Jordan Adeoti. Oui. En dehors de lui, eh bien, l'effectif est tout au complet. Les derniers ont rejoint le groupe, c'était hier, un peu dans la soirée d'avant hier. Hier, ils ont pris part donc à la séance d'entraînement qui s'est déroulée à huis clos. L'objectif poursuivi par la bande de Moussa Latundi hier, d'ailleurs, Anand Tidjani nous l'a reprécisé. C'est fait une belle prestation du côté donc, du Dakar. C'est vrai que l'adversaire en face s'appelle le Sénégal. Et le Sénégal, Christian, c'est l'équipe championne en titre l'édition précédente, De cette épreuve continentale. Et donc, du coup, les chances, c'est vrai, en termes, je dirais, de carte de visite. Le Sénégal a une grosse longueur d'avance sur le Bénin. Mais on rappelle que l'une des dernières rencontres entre le Bénin et le Sénégal remonte donc à la CAN 2019, disputée donc du côté de l'Égypte, et où le Bénin a été sorti par le Sénégal, score un but à 0. Ghana Gueye était donc l'auteur de l'unique but qui a éliminé le Bénin. Mais bon, les années se suivent et ne se ressemblent pas. 2019, ça n'est pas 2022. Les acteurs aussi, d'une manière ou d'une autre, par endroit, ne sont plus les mêmes. Toujours est-il que le match restera ouvert pour les différents acteurs qui seront sur l'aire de jeu pour le compte de cette confrontation. Visiblement, eh bien, la connexion n'a pas été rétablie. Oui. Je dirais tout simplement que c'était l'espoir ce mercredi matin. Voilà. Merci beaucoup, Hakimé Ousseli, pour toutes ces informations et cette endurance. Nous espérons que dans les prochains jours, on aura l'entraîneur de l'équipe de Dynamo en direct sur Canal 3 pour nous parler de son équipe. Allez, vous restez avec nous. Le forum de discussion sera dans un instant. On va parler des législatives de 2023. Nous ramenons en débat la une du journal Matin Libre que vous découvrirez tout à l'heure à l'heure de nos discussions, qui revient donc sur l'actualité autour de la cherté de la vie avec ses formations politiques qui investissent le terrain, les démocrates, Moël Bénin, MPL ou encore d'autres formations politiques qu'on ne voyait pas trop investissent également le terrain. On parle d'un marquage à la culotte. Et puis, la sortie frauduleuse des intrants subventionnés, les douanes béninoises sont en état de veille. On recevra en plateau le lieutenant-colonel Marcelin Laroux. Il est chef service d'intervention rapide et de lutte contre la fraude du département de l'Atlantique et du Littoral. Il reviendra sur cette opération menée par ses services et qui a permis d'intercepter plusieurs tonnes d'intrants agricoles en partance du Bénin pour le Togo voisin. Retour donc sur cette opération. Et puis le harcèlement sexuel, oui, on va en parler avec Maître Alexandrine Saïzonoum-Bédier, l'avocate au barreau du Bénin, l'invité de Herman Parfait à Niambousou dans la deuxième heure, et ce sera dans Dourales Sedlex. Le forum, c'est tout de suite.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Avec la nouvelle application Canal+, retrouvez plus de 25 000 programmes en replay, profitez de 200 chaînes en direct et contrôlez votre consommation de data. Téléchargez-la dès maintenant, c'est inclus dans votre abonnement. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. L'Afrique, c'est le continent des grandeurs. Ces terres font naître de nombreux enfants, de nombreux projets. Elles accompagnent chacun d'eux durant toute leur vie. Elles les assistent pour leur sérénité dans les soins et dans leurs finances. Elles préparent leur avenir et aussi leurs vieux jours. Et même après leur décès, elle est toujours là pour assurer leur arrière. Cette Afrique, c'est l'African Vie, le sens de l'engagement. Bonne fête, maman! Pour toi, je ferai tout. Et pourtant, j'ai toujours parlé des boutiques à louer Néo dans cette maison. Maman, pour toi, je ferai tout. Maman, yo, maman, yo. Néo, non, non, c'est vrai. Maman, yo, et oui, Mikem Technologies met le sourire aux lèvres aux mamans jusqu'au 10 juin à travers sa promo spéciale Fête des Mères sur toutes les gammes de produits. Et pour ne plus vous casser la tête, faites comme moi en offrant à maman un chèque cadeau Mikem Technologies d'une valeur allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Produit sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison disponible. Contact 60 00 66 66. Placé en Paris, rendez-vous sur le site ou téléchargez l'application OneXBet, société de bookmakers. Allez, Herman Anyambusu, bonjour. Bonjour, Christiane. Voilà, merci, bienvenue en plateau. Premier sujet abordé, sujet politique, hein, on va parler de l'actualité. Je vais vous inviter à découvrir la une du quotidien Matin Libre qui nous plonge dans cette actualité politique, même si elle paraît pour le moment timide. Eh bien, la bataille pour les législatives s'annonce, je dirais, rude. En témoigne donc
l'occupation progressive du terrain par les partis politiques, tous s'alignent désormais derrière la cherté de la vie pour s'entretenir avec leurs militants. Et c'est ce que nous avons constaté après le passage du gouvernement, suivi donc des députés, des maires UP, BR. Eh bien, ce sont les responsables des autres formations politiques qu'on ne voit pas pratiquement, qu'on n'entend pas pratiquement, qui investissent désormais le terrain. Et comme je vous le disais, l'article du journal Matin Libre sous le titre « Démocrate et Moël Bénin, Marc Lupé et le Bloc Républicain à la culotte », je dirais même plus, en citant le mouvement populaire de libération qui était d'ailleurs en tournée, chacun déroule son agenda sur le même motif, la cherté de la vie. Herman Parfait, Agnès Moussou. J'allais dire le mercato de la cherté de la vie. Parce que c'est vrai que quand vous suivez un peu l'actualité ces derniers jours, c'est que après le passage du gouvernement, et qui dit gouvernement dit forcément des élus du peuple également, qui avaient effectivement accompagné le gouvernement pour cette tournée-là, dans les communes, dans les hameaux, pour expliquer un peu la panoplie de mesures prises, pour essayer d'amoindrir un peu, de juguler un peu la crise économique, même si cette crise-là, la fin de cette crise n'est pas pour demain. On suit l'actualité internationale de très près. Ce qui se passe, même si la Russie permet aujourd'hui qu'on puisse faire un couloir et évacuer le blé qui se retrouve en Ukraine, il y a toujours des goulots d'étranglement. Donc ça veut dire que la cherté de la vie, c'est encore pour longtemps. Et donc, après le gouvernement et donc ses députés et les maires qui ont pris le relais, il n'y a que les partis de l'opposition. Vous avez cité Moël Bénin. Bénin n'est pas de l'opposition. Les démocrates, surtout. Et puis, MPL ont entrepris également d'aller sur le terrain, s'enquérir un peu de la situation de ces populations-là. Parce qu'une chose est de prendre des mesures, l'autre, c'est de veiller à ce que ces mesures s'appliquent réellement. Et donc, dans cette foulée, on constate que diverses fortunes sortent de ces différentes tournées. C'est vrai qu'il y en a qui ont décidé de ne pas faire le point tout de suite, de se garder d'abord de faire le point et d'attendre la fin de la tournée pour nous dire ce qu'ils ont ressenti, ce que la population peut leur dire en termes d'application effective des mesures. Je pense que pour ma part, comme vous l'avez dit, ça annonce un peu ce que seront les hostilités pour législatif 2023. Pour le moment, c'est la cherté de la vie qui est d'actualité et tout le monde en profite. Voilà, un sujet tout trouvé par les acteurs politiques, la cherté de la vie, Ouahab Ali Parra. Oui, le ventre affamé n'a point d'oreille. Et vous savez, les rendez-vous qui permettent aux populations de, je ne sais pas, peut-être de recevoir les politiques, c'est l'occasion des élections, les élections notamment. C'est-à-dire que c'est ce qui légitime, qui donne de la valeur, n'est-ce pas, aux politiques, se rapprocher des populations au moment des élections. Maintenant, on nous dira que nous ne sommes pas encore en campagne. Maintenant, pour ces populations qui disent avoir faim, il faut que le politique qui a besoin de leur suffrage tout de même puisse au moins se rapprocher d'eux, les écouter, même s'ils n'ont pas la solution qu'il faut pour l'instant. Et je crois que c'est ce à quoi nous assistons sur le terrain. Parce que quand vous devenez député, vous voulez faire quoi aux populations? Quand vous devenez maire, vous voulez faire quoi aux populations? Vous êtes président de la République, vous voulez faire quoi aux populations? Ce sont des questions. Donc, à ces populations avec lesquelles vous gardez contact, il faut au moins les écouter. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. La grosse thématique actuellement, c'est bien entendu la cherté de la vie. Et chacun y va avec sa méthode. Mais c'est ça que vous voulez avoir au débat politique? Justement. Parce que quand on dit, au moment de difficulté, n'est-ce pas, période difficile, qu'on connaît ses vrais amis. Quand ça se passe comme ça et que vous dites être candidat, vous dites être acteur politique et vos militants, vos mandants et autres, vous ne vous rapprochez pas d'eux au moment où ils sont en période difficile et vous attendez juste le moment des élections pour venir vous présenter, ça pose problème. Donc il faut au moins aller au contact de ces populations-là, s'enquérir de leur situation. Et je disais que chacun y va avec sa méthode, chacun y va avec sa manière, qui pour écouter, qui pour faire des propositions, qui pour rappeler les actions déjà engagées pour soulager les uns et les autres. Et bien entendu, c'est l'occasion pour les acteurs politiques, chacun de critiquer la méthode de l'autre. Et c'est ce à quoi nous assistons. Oui. Vous allez noter, par exemple, que quand le gouvernement
l'État central donc a fini sa tournée. Ce sont les maires qui ont pris le relais. Les maires, des partis qui soutiennent. Hein, les maires de la mouvance. Mais ça n'a pas empêché les partis de l'opposition, comme MPL par exemple, de descendre également sur le terrain, même si le président du MPL a rappelé qu'eux, ils avaient déjà leur programme d'engager la tournée. La preuve, c'est que quand il a été reçu sur Zone Franche ici, ils indiquaient combien eux, ils avaient déjà fait deux sorties avant le gouvernement. Et c'est quand le gouvernement a annoncé sa propre tournée qu'ils se sont d'abord retractés avant de repartir. Allez, tous vont sur un même marché, hein, le marché de l'électorat, Hakimé Ousseli. Et lorsque vous les écoutez, vous ne pouvez pas indiquer le marché des produits de grande consommation. Non, pas du tout, le marché de l'électorat. Alors, Mouel Bénin va certainement poursuivre dans la dynamique du pouvoir, puisque c'est un parti qui soutient le régime en place. Les explications données par les ministres, eux, ils vont poursuivre dans cette même dynamique. Mais d'un autre côté, les partis de l'opposition trouveront forcément et certainement les responsables de cette infraction et ils vont surfer là-dessus. Ah, c'est évident, c'est de bonne guerre. Seulement que dans tous les cas, il va s'agir pour les différents politiques qui descendent sur le terrain de ne pas, je dirais, tordre le cou à l'essentiel. L'essentiel, et ce qui est évident, Christian, ce que nous traversons de façon générale, une crise relativement donc à la montée vertigineuse des prix des produits de grande consommation. Les raisons sont parfois exogènes, peut-être même endogènes. L'endogénéité en question, c'est sur ça que mettront beaucoup plus l'accent les politiques qui n'embouchent pas la trompette du pouvoir. Parce que pour eux, bien entendu, ils vous diront je dirais, refrain fétiche, c'est que gouverner, c'est prévoir. C'est vrai qu'on ne peut pas prévoir certains faits naturels. Personne n'aurait prévu que l'Ukraine et puis la Russie rentreraient en conflit. Et personne n'aurait prédit il y a 4 ans que eh bien, nous vivrons une crise sanitaire sans précédent. Et donc, lorsque ces actions surviennent, il faut y apporter des réponses et des ripostes adéquates, allant dans le sens d'alléger les souffrances des populations. C'est ce que le gouvernement de Patrice Talon et les autres partis politiques qui sont donc de cette mouvance ont expliqué sur le terrain. C'est ce que les maires des partis UP et BR sont allés expliquer aux populations sur le terrain, parce qu'ils estiment qu'en dehors de ce que le pouvoir a dit entre-temps, ils ont encore peut-être des éléments de langage pour davantage convaincre et amener le peuple à savoir que eh bien, le pouvoir en place fait des efforts considérables. En dehors d'ailleurs des maires et de cette tournée réalisée par le pouvoir en place, il y a que vous constaterez, Christian, qu'il y a encore des acteurs de cette chaîne étatique qui continuent par expliquer. Je fais allusion au porte-parole du gouvernement qui ne manque aucune occasion pour expliquer aux populations les tenants aboutissants de cette crise, de cette situation que nous traversons. Il est alors évident que les acteurs de l'opposition également descendent sur le terrain. Et si vous avez entendu ici, avant d'ailleurs de parler de ces acteurs de l'opposition, quand vous avez entendu le président de Mouel Bénin que vous avez reçu ici dans le séant de Wahab Ali Para, c'est qu'il ne comprenait pas que certains fassent de cette situation une récupération politique. Parce qu'il estime que eh bien, la situation est d'autant plus préoccupante que eh bien, il faut éviter de jouer avec les nerfs des populations, les nerfs qui sont déjà mis à rude épreuve par la cherté des produits de grande consommation. Parce que des résolutions sont prises, mais sur le terrain, elles ne sont pas véritablement respectées. Je crois qu'on en a suffisamment élaboré ici sur le plateau. Et vous avez constaté que cette fois-ci, une fois sur le terrain, eh bien, le gouvernement a mis l'accent sur le numéro vert mis à disposition, demandé beaucoup plus la contribution, la collaboration des populations à la dénonciation des commerçants véreux, si ainsi je peux les appeler ce matin. Donc, de part et de chacun, il va avec ses éléments de langage. N'attendez pas que les démocrates sur le terrain eh bien, aient dit que l'État central a déboursé 80 milliards et plus pour... Ce serait mal les connaître. C'est pas possible. Bon, pas mal les connaître. C'est quand même évident qu'ils ne le feront pas. Ceux qui doivent le faire savent bien le faire. Les démocrates ne feront pas mieux que ceux qui l'ont déjà fait sur le terrain. Il va s'agir pour les démocrates peut-être de dire que, attention, gouverner, comme je l'ai dit, c'est prévoir et non pas anticiper. C'est pour ça que nous estimons que si nous avons été là,
on aurait pu faire les choses autrement. On n'oublie pas, Christian, que nous sommes aux encablures des législatives de 2023. Et je vous disais ici sur le plateau que, au-delà de la tournée qui visait à expliquer aux populations ce que l'État a engrangé, ce que l'État a mis, la batterie de disposition de l'État, c'est que c'est aussi l'occasion pour l'État de prendre le pouls des populations quant à sa gouvernance. Oui. Et ça n'a pas raté. Ça, oui. Vous avez vu les populations profiter de cette tournée pour dire au chef de l'État, oui, d'accord, vous faites beaucoup de choses, mais d'aucun moment estimé que les infrastructures routières, d'accord, on peut les mettre en parenthèse, en attendant que les populations ont quand même le ventre, je dirais, dans un confort plus ou moins acceptable. Donc, l'un mis dans l'autre, les démocrates marquent normalement, je ne dis même pas le BR et l'UP, mais marquent le pouvoir. Mm. C'est beaucoup plus ça. Je vais au-delà du titre de Matin Libre. Oui. Les démocrates marquent à la culotte le pouvoir central. Vous êtes convaincu que c'est le ça? Le MPL marque à la culotte. Ah, mais attendez. Je vous dis que c'est de bonne guerre. On ne va pas en vouloir aux démocrates, encore moins au MPL de Thébé, d'aller sur le terrain et d'expliquer eux leur vision de ce que pourrait être. Parce que vous avez vu qu'il y a même une fois sur le terrain, au niveau donc, de ces partis de l'opposition, des comparaisons avec ce qui se fait au niveau des pays qui sont autour de nous. On ne comprend pas pourquoi est-ce que, par exemple, je donne un exemple farfelu, tel produit coûte, par exemple, au Togo, 50 francs, alors que même produit à Cotonou et environ coûte, mettons quoi, 150 ou 200 francs CFA. C'est des comparaisons qui sont faites sur le terrain. Donc, chacun va avec son élément de langage, histoire d'amener les militants et sympathisants à se retrouver dans la vision qui aurait été la leur au cas où on leur donnait l'occasion d'aller à la gestion de la chose publique. Un véritable marquage à la culotte, vous êtes convaincu que c'est cela, Hakimé? Oui, et vous, Ramali Perara? Oui, c'est un marquage à la culotte et c'est de bonne guerre. Je reprends à Hakimé, puisque sur le terrain, il faut aller convaincre les populations et chacun avec sa méthode. Le gouvernement ne peut faire que ce qu'il vient de faire. Rappeler les actions prises ou engagées en amont par rapport à la crise de la cherté de la vie. Les actions également en cours durant cette même période de cherté de la vie. Même s'il faut reconnaître que sur le terrain, n'est-ce pas, il y a un véritable problème qui se pose. Le gouvernement a fait ce qu'il doit faire, ce qui relève donc de l'État central, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Et quand on a écouté le porte-parole du gouvernement, je crois que c'était dimanche dernier également, ici aussi bien à l'OITB qu'à Canal 3 ici, dans ses explications, lui-même, il reconnaît combien l'action du gouvernement n'a pas suffisamment touché au moins la conscience des commerçants. On est dans un milieu libéral, s'il faut le dire ainsi, mais on sent que les actions ne touchent pas les commerçants. Oui, il faut réduire le prix de l'huile, ou en conseil des ministres, ou le secrétaire, le porte-parole du gouvernement, le directeur de cabinet du ministre du Commerce ont rappelé de façon métallique ce qui entoure cette réalité. 1300 francs, le prix plafond, je crois. Mais quand vous allez sur le marché, allez la vente qui suit, en même temps, fait un pavé ici, là. C'est à 1700 le litre. Et c'est à Cotonou. Imaginez un peu partout. Donc, c'est comme ça. Maintenant, on ne peut pas mettre chacun policier devant toutes les maisons. Le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement l'a reconnu. On ne peut également pas mettre un policier devant tout. Maintenant, on compte sur les commerçants ou les acheteurs, donc les clients, les populations, s'ils sont victimes, n'est-ce pas, de cette surenchère, d'appeler le numéro vert. Maintenant, quelle est la solution qu'on apporte à ceux-là qui peut-être n'ont pas l'idée ou n'ont pas le téléphone pour appeler numéro vert? Et quand est-ce que le numéro vert viendra? Au moment où l'estomac du monsieur gargouille. Donc il y a tous ces raisons. Maintenant, quand on revient aux partis de l'opposition qui eux aussi doivent aller écouter leur population, doivent aller faire comprendre à leur population pourquoi cela se la situation est comme ça et quelle est la solution. Non, la guerre en Russie, non, l'Ukraine. De toutes les façons, chacun n'utilise pas les mêmes arguments. Parce qu'il y a des questions que les formations de l'opposition posent au gouvernement. Le gombo sec, là, c'est parce qu'il y a guerre en Ukraine que ça a augmenté au Bénin, ce que nous produisons ici. Le ciment que nous produisons ici, c'est vrai, le gouvernement explique, n'est-ce pas, que si le ciment au Bénin, qui est produit sur le territoire national, il y a le gasoil qui a augmenté. Manque de gasoil,
d'ailleurs. Et donc, le gasoil a augmenté. Ça amène certaines industries et certains vendeurs à augmenter également le prix. Le transport également prend un coût. C'est dire que quoi? Quand vous regardez sur le marché chrétien, il y a une situation. Si je vends, même si c'est du gari... Bon, les exemples sont légion. Voilà, les exemples sont légion. Inutile qu'on puisse encore ce matin se saouler. En fait, c'est les arguments des uns et des autres. Oui, face aux populations. Oui. En fait, c'est sur cela que nous devons... Oui, c'est sûr. Les opposants, ils iront toujours avec le discours de l'opposant. Oui, de l'autre côté, est-ce que ça ne vient pas mettre en difficulté non, vous n'avez pas entendu, par exemple, le gouvernement décider ou suggérer dans ses réflexions la réduction du train de vie du gouvernement ou des membres du gouvernement, par exemple. Mais l'opposition estime que la solution réside également dans la réduction du train de vie de l'opposition. On a entendu Espérance Thébé, président du MPL. C'est dire que chacun y va avec sa méthode et chacun propose la solution qui lui convient. Et la solution pour l'opposition, c'est de se retrouver massivement, d'être représenté à l'Assemblée nationale pour mettre fin à cette crise. Oui, je pense que pour le moment, on saute d'abord sur la cherté de la vie. Mmh. Et puis, vous savez, je pense que l'opposition joue un peu sur l'échantillonnage aussi. Des gens rencontrés sur le terrain, vous avez fait la question tout à l'heure de savoir si c'est sur le même marché. Je dis oui, sur le même marché, mais les acteurs sont différents. Mmh. Si le gouvernement a cru devoir rassembler dans des salles de conférence, un échantillon de personnes à qui on a passé le message, donc qui sont les ambassadeurs pour faire le relais après. Et si le gouvernement a ensuite demandé au maire de répercuter tout ce qui a été dit au niveau de leur chef d'arrondissement, il y a même des élus communaux, on parle de Badalissa, une initiative d'un élu communal, qui pense que bon, il peut rencontrer les populations par groupe et leur expliquer ce que le gouvernement apporte comme solution. Ici, pour l'opposition et pour ce qu'on a déjà eu comme retour, c'est qu'ils ne réunissent pas dans une salle des gens, des populations. Ils font contact des femmes dans les marchés. Et vous n'oubliez pas qu'ici, il y a eu un directeur départemental du commerce qui allait sur le terrain en plein contrôle et qui a rencontré la licence d'une femme qui a dit non, nous, on achète le truc à tel prix, ne nous obligez pas, fais ci, fais ça. Donc ici, je pense que l'une des solutions préconisées, et je crois que le porte-parole du gouvernement revient là-dessus, c'est les boutiques témoins. Dans une économie libérale, vraiment libéralisée, où on n'a même pas bien pu organiser un peu ce libéralisme-là, parce qu'on était plus préoccupé par les affaires politiques en son temps, je pense qu'il y a beaucoup qui font appel à des boutiques témoins. Boutiques témoins comme étant des éléments qui peuvent obliger les vendeurs véreux à réguler un peu leur prix. Si je sais par exemple qu'à Godomé, par exemple, il y a une boutique où on vend l'huile à 1300 francs, j'irai acheter l'huile là à 1300 francs. Quitte à ce que la dame qui décide de vendre ça à 1600 francs dans mon quartier ne puisse pas trouver de client, elle sera obligée après de se dire, mais attention, si je garde l'huile là pendant un bout de temps, ça va se gâter. Mmh. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place ces différentes mesures-là? Ensuite, oui, on parle de récupération politique. Oui, c'est vrai. Récupération politique parce que justement, le temps s'y prête. Et n'oubliez pas que l'opposition béninoise rêve d'aller au Parlement. Aujourd'hui, le problème, c'est aussi ça. C'est que il y a eu un peu de vide, à mon sens, entre certains députés et leur base. Vous n'en voyez pas souvent descendre sur le terrain, expliquer aux populations, à part quelques actions dans le Koufo. On apprend à Domahoun qui a rencontré ses militants. Il y a aussi Benoji. On apprend quand même des députés qui descendent sur le terrain. Mais il y a d'autres qui ont complètement coupé le pont et qui ont attendu que le gouvernement descende sur le terrain pour renouer contact avec leurs militants. Je pense que ça peut constituer des failles que l'opposition va exploiter aussi. Mmh. Alors, le gouvernement et ses soutiens, on les a longtemps entendus, Hakim et Ousseni, ils sont longtemps et toutes les fois revenus sur les solutions apportées par l'État pour soulager les peines des populations. Mais de l'autre côté, l'opposition, quelle est sa marge de manœuvre? Quelle est la solution qu'elle pense apporter ou qu'elle apporte aux difficultés actuelles? Non, elle ne pourrait apporter aucune solution. Elle n'est pas à l'exécution. Elle constate le problème. Elle constate et puis elle vous annonce qu'au cas où vous pensez que les solutions énumérées... Parce que l'opposition ne va pas énumérer les solutions dans la profondeur. Non. Elle va surfer sur des tentatives de résolution, mais elle sera beaucoup plus dans l'attaque
Et c'est bien normal, Christian. Il revient au pouvoir central de continuer par réfléchir les solutions. C'est pour ça que dans un premier temps, il y a eu une phase d'explication. Et puis bon, on a peut-être réajusté pour dire qu'il faut véritablement descendre et expliquer aux populations. Je vous disais ici, Christian, que quelle que soit la batterie de dispositions proposées par le pouvoir central, c'est l'impact de cette batterie de solutions. C'est ça qui importe. Et je vous ai dit, il faut aller sur le terrain, d'accord. Mais quand on est revenu du terrain, et qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que ça a fait changer les choses? On a constaté qu'après la tournée gouvernementale qui a été initiée, c'est que l'une des décisions qui a été prise, c'est que l'huile a été maintenue à 1300 francs CFA. Il aura fait bien de faire remarquer que même les 1300 francs qui ont été annoncés ne sont pas véritablement respectés. Si vous n'allez pas dans les marchés, c'est que vos épouses vous ont déjà dit que la popote qui a été remise et qui table sur 1300 francs, elle n'est pas suffisante parce qu'il y a peut-être 50 francs de plus, il y a peut-être 100 francs, 200 francs de plus. Bref, c'est l'efficacité, je dirais, de la méthode proposée par le pouvoir central qui importe. On a parlé des appels sur le numéro vert. Ce n'est pas que seulement pour l'acheter des produits de grande consommation. Nous avons entendu le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et son homologue des Finances qui également ont fait la proposition, ont mis à disposition ce numéro vert relativement donc aux sorties frauduleuses des intrants. C'est l'efficacité de cette disposition. C'est de ça qu'il faut beaucoup plus se préoccuper. Donc, je pense que l'opposition va être sur le terrain, va expliquer, va montrer que bon, on aurait pu anticiper, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire tout ce qu'il y a autour. Mais c'est que même l'opposition, quand elle va rentrer chez elle, c'est qu'elle n'a pas fait aussi changer les donnes au niveau des populations. C'est que l'huile n'a pas descendu. Le prix de l'huile va rester le même. Le prix du riz et tout ce qu'il y a autour restera le même. Donc, en gros, c'est une occasion de prise de contact avec les populations pour faire passer des messages certains officiels et certains officieux dans la dynamique, ça c'est clair, de la législative prochaine. Les populations que nous sommes continueront toujours par se tourner le pouce, se plaindre. Se plaindre forcément. Parce que bon, ça n'a pas forcément, bougé. Le panier de la ménagère reste le même, la popote, ça ne suffit pas. Nos femmes, elles partent avec un visage pas du tout intéressant parce que bon, voilà, ça ne suffit pas, il faut réajuster par endroit qu'on soit. Donc, bien malheureusement, aussi longtemps qu'on n'aura pas la chance de tomber sur des commerçants d'une certaine conscience, malheureusement, allant dans le sens de faire minimiser le profit, voilà, on ne bougera pas. Vous avez annoncé la douane béninoise, est-ce qu'elle-même, elle est suffisamment bien outillée pour contraindre les populations à respecter? Parce que certains vendeurs vous diront que, eh bien, il y a le cordon douanier aussi qui agit sur le prix de revient, le prix de vente donc, du produit. Il a aussi expliqué que rien de cela n'en est question. Le colonel Laourou, certainement, nous dira la même chose avec peut-être beaucoup plus d'autres explications. Mais comme je l'ai dit à l'arrivée, c'est quoi l'impact? Est-ce que les choses ont changé, Christian? Est-ce que lui-là, le prix de l'huile est respecté désormais depuis environ une semaine sur le terrain? Autant de questions qu'on se pose ce matin. Voilà. Ouais. Allez, nous sommes le 1er juin. On va dire un mot sur la journée de l'arbre et ceci très rapidement. 10 millions d'arbres, ça c'était le slogan, hein, et ça fait pratiquement 8 ans. On a parcouru certaines zones du pays où ces arbres ont été mis en terre, mais lorsque vous reprenez par là, c'est un désert total que vous constatez. Il y a une proposition de Dr Tanguy Agoyi dans le quotidien Fraternité qui pense qu'il faudra légiférer en imposant le nombre d'arbres qu'il faut avoir au mètre carré de construit. Il a fait des suggestions même en page 3 du journal ce matin, et qui pense, hein, qu'il faudra légiférer pour permettre à ce qu'on construise en hauteur des bâtiments et avoir de l'espace pour y implanter des arbres ou encore le jardin. Oui, cette journée célébrée depuis une trentaine d'années, Wahab Ali Bara, les choses ont-elles véritablement changé chez nous en matière de verdure? Non, les choses n'ont pas changé telles qu'on l'aurait souhaité. On peut reconnaître que les choses ne sont pas restées telles quelles, mais on peut également souligner que les choses n'ont pas évolué telles qu'on le souhaite. Il s'agit juste de cibler dans nos communes, hein, dans nos départements. Lorsque un maire s'en va avec toute la clique qui l'accompagne,
fait avec toute la délégation qui l'accompagne, s'en va mettre officiellement en terre, n'est-ce pas, les plans. Cet espace-là, quels sont les résultats finaux qu'on obtient? Il y a à s'interroger. On n'obtient pratiquement rien. Il faut aller dans la commune d'Aboumekalavi où Boni Yayi, ancien président de la République, avait lancé officiellement cette initiative de 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres, un équivalent du nombre de populations qu'on incarnait, je crois, il y a 8 ans en arrière, autour de 10 millions, et qu'il fallait au moins un arbre pour chacun tout de même. Cet espace-là, allez voir ce que ça donne. Pratiquement rien. C'est-à-dire que quoi? Que les initiatives sont bonnes, il y en a de nouvelles, elles sont toujours bonnes, mais le suivi manque, ce qui fait que le résultat final n'est pas obtenu. À chaque fois, vous verrez des forestiers, la direction des eaux et forêts et chasse, qui accompagnent, qui font des suggestions et autres. Quelle est la nature des arbres qu'il faut planter sur certains sols? On n'étudie pas correctement cela. Quel est le suivi qui devrait accompagner pour que les plants mis en terre puissent survivre et donner le résultat qu'on attend? Il y a manque à ce niveau. Même pour les voies asphaltées par endroit, vous allez constater qu'il y a des endroits où les arbres qu'on a plantés pour embellir, régler les questions environnementales et autres, vous allez voir qu'il y a des endroits où les gens ont arraché même le cadre, c'est-à-dire la cage qu'on a pour protéger l'arbre. Donc, ça ne permet pas d'obtenir le résultat attendu. Oui, dire que les journées de l'arbre célébrées au Bénin n'ont pas produit leurs effets, je ne suis pas, je suis partagé, parce que justement, les arbres sont plantés. Qu'est-ce qu'on fait pour les entretenir? Il y en a qui sont entretenus, d'autres qui ne le sont pas. Et quand même ces arbres restent et poussent après, donc sont porteurs d'ombre et tout, parce que nous voulons construire des maisons, nous les détruisons. Parce qu'on a envie d'ériger une infrastructure à tel endroit, on détruit ces arbres-là. Ou alors parce qu'on doit exporter des arbres alors qu'on n'est pas un pays forestier, on détruit ces arbres-là. Qu'est-ce qu'on fait pour que le couvert végétal soit renouvelé? Je pense que c'est beaucoup de questions à la fois. Il faut, à mon sens, parvenir à faire toucher du doigt la menace que constitue la déforestation pour notre environnement en général. Je ne sais pas s'il faut forcément légiférer pour prendre une loi dont il dit désormais on vous impose de faire ci. On a légiféré dans beaucoup de matières sans résultat probant. Il faut juste faire toucher du doigt la réalité. Quand la Covid est venue tout de suite, on a dit non, c'est pour les Yovo. Ça se passe en zone tempérée. Ça ne viendra pas au Bénin, en Afrique, non. Mais quand ça commence à venir, on a obligé personne à mettre des casques. Les gens commencent à mettre des casques tout de suite parce qu'ils ont vu le danger devant eux. Et donc, je pense qu'il faut plutôt faire toucher du doigt le danger que constitue cette menace-là, cette déforestation. Et je pense qu'il y aura une prise de conscience. Oui. C'est ce que je pense. Okay. Je crois que des initiatives et puis des réflexions ont souvent été menées à l'occasion de la journée de l'arbre célébrée tous les 1er juin. Et d'ailleurs, vous en faites écho à travers cette réflexion du docteur Tanguy Agoy. Pour peu que la question est préoccupante, Christian, je crois qu'il s'agit, je dirais, d'une prise de conscience collective, en réalité. Sinon, que quand l'ancien chef d'État Boni Yayi propose l'initiative 10 millions d'âmes et 10 millions d'arbres, c'est un appel individuel et collectif. Ça n'était pas que Boni Yayi viendra mettre 10 millions d'arbres sous terre et s'en occuper et puis gérer, mettons quoi, le suivi et tout le temps. Mais alors, pas du tout. C'est qu'on demandait à chaque Béninois qui se trouve de prendre donc à cœur cette initiative en plantant et en mettant sous terre un arbre et en entretenant cet arbre-là. Si chacun l'avait fait, ce n'est pas que l'espace d'Aboumekalavi qui va être le repère de ce que l'initiative est prospérante, mais c'est que eh bien, quand on passerait devant la maison de chacun, c'est qu'on aurait pu la chance d'avoir un arbre planté. Et depuis ce temps, cet arbre aurait grandi et aurait aujourd'hui un impact sur l'environnement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a fait de l'initiative 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres, l'initiative de Boni Yayi. Et parfois, on en parle hein, en risée, comme pour dire, ouf, voilà l'initiative de trop que Boni Yayi a proposé, ça n'a pas prospéré. Non, c'était une invite collective. On n'a pas su saisir la balle au bon. Et aujourd'hui, on s'en plaint. Je crois que
temps toutes les élévations possibles. Il faut forcément, comme l'a dit Eman, faire toucher du doigt les conséquences. Et d'ailleurs, ça se vit quand on parle aujourd'hui de réchauffement climatique, c'est que ça a un rapport direct avec, cette déforestation. Il faut quitter Cotonou, Christian, remonter tout petit peu la zone de Kandi environ. Vous vous rendrez compte de l'importance de la journée de l'arbre. Les saisons chaudes ne sont pas du tout fameux dans ces zones. Quand vous remontez Kandi et vous vous retrouvez dans la zone de Malanville, Kalimamaya environ, franchement, je ne vous souhaite pas d'y être dans une période chaude. Donc, je crois que si les populations environnantes donc, de ces différentes régions avaient déjà pris à bas le corps cette initiative, c'est qu'on aurait bougé. Donc, je crois que le 1er juin, ce n'est pas un 1er juin des agents des eaux et forêts et chasse, ce n'est pas un 1er juin de Patrice Talon et ses collaborateurs, c'est un 1er juin de vous et moi, de tout le monde. Merci Hakimi, merci à vous, merci Herman. Nous allons revenir au plateau où on parlera du harcèlement sexuel, les éléments constitutifs avec Maître Alexandrine Saizono Bédier, qui est avocate au barreau du Bénin. Mais tout de suite, nous allons recevoir le lieutenant-colonel Marcelin Laroux, qui est le chef service d'intervention rapide et de lutte contre la fraude dans le département de l'Atlantique et du littoral. Les douanes béninoises qui sont en état d'alerte, elles ont d'ailleurs réalisé une nouvelle prouesse, des tonnes d'intrants agricoles en partance pour les pays voisins saisis. Il y a de cela quelques jours. Restez avec nous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Avec la nouvelle application Canal+, retrouvez plus de 25 000 programmes en replay, profitez de 200 chaînes en direct et contrôlez votre consommation de data. Téléchargez-la dès maintenant, c'est inclus dans votre abonnement. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02. 96 61 13 30 69 17 99 99 69 23 55 55 61 62 12 02 WhatsApp email canal3benin@yahoo.com info@canal3television.com fraternitefm@yahoo.com fraternews@yahoo.com. L'Afrique, c'est le continent des grandeurs. Ses terres font naître de nombreux enfants, de nombreux projets. Elle accompagne chacun d'eux durant toute leur vie. Elle les assiste pour leur sérénité dans les soins et dans leurs finances. Elle prépare leur avenir et aussi leurs vieux jours. Et même après leur décès, elle est toujours là pour assurer leur arrière. Cette Afrique, c'est l'African Vie, le sens de l'engagement. Sur
Ce matin, nous parlons de cette opération menée par les douanes béninoises. Et c'est avec vous, lieutenant-colonel Marcin Laroux, bonjour. Bonjour, monsieur Anandéjan. Vous êtes le chef service d'intervention rapide et de lutte contre la fraude du département de l'Atlantique et du littoral. Des informations qui nous sont parvenues, eh bien, on parle de 40 tonnes d'engrais en partance vers les pays voisins, saisies par vos éléments, les éléments des douanes béninoises. Et c'était à Ouaké. Parlez-nous de cette opération, il s'agit de quoi? Oui, monsieur Anandéjan, d'abord, je voulais vous dire qu'il y a eu des réformes au niveau de la douane et désormais, on ne parle plus de service d'intervention rapide, on parle de service régional de lutte contre la fraude. Voilà. Donc, il s'agit bien du service régional de lutte contre la fraude. Au fait, pour aller vite, il s'agit... des informations qui étaient parvenues au ministre d'État chargé de l'économie et des finances, M. Romain Wadaï, faisant état de ce que les intrants agricoles sortent du territoire national pour aller enfin, vers les pays limitrophes. Enfin, je ne veux pas, je crois que ce n'est pas le... au moment d'identifier et de citer les noms des pays. Et qu'il faille, puisque conformément à la réglementation en vigueur au Bénin, les mouvements des marchandises, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, sont réglementés et relèvent du ressort de l'administration des douanes. Donc le ministre a demandé quand même que le DG puisse nous instruire afin que nous puissions adopter des stratégies qui nous permettent quand même d'appréhender des cas de sortie frauduleuse des intrants agricoles du territoire national. Je crois que ça a été fait. Le DG, en sa qualité de notre commandant, de notre premier commandant en chef, nous a instruit en tant que soldat. Nous avons mis les instructions en œuvre. Nous avons élaboré nos stratégies. Je crois que ce n'est pas... Vous n'allez pas me dire de vous dire quelles sont ces stratégies. On peut pas. Donc, nous avons élaboré les stratégies qui nous ont permis de faire cette saisie. Il faut ajouter que ce n'est pas la seule saisie, d'ailleurs. Il y a eu déjà plusieurs saisies, mais la plus importante saisie, c'est celle dont vous avez évoqué tantôt. Et un peu comme nous l'avons sur ces images. Alors, vous avez mis en place un dispositif qui vous a permis d'appréhender les auteurs. Il s'agit concrètement de quoi? Rien que de l'engrais ou d'autres intrants qui entrent dans la composition agricole? Ce qui a été pris, pour ce qui a été pris, il s'agit réellement de l'engrais. Mais il y a d'autres prises, herbicides et autres. Nous en avons pris, que ce soit dans les collines, dans le Méplateau, dans le Borgou Alibori, celui de la Takora Donga que vous voulez. Il y a d'autres prises, il n'y a pas que les engrais. Mais ce qui a été pris, c'est les engrais. Vous allez peut-être dire pourquoi, je ne sais pas, mais vous allez vous dire peut-être que pourquoi quelqu'un, par exemple, qui a acheté son engrais, qui vient faire ce qu'il veut, pourquoi on va le gêner? Justement, vous allez faire la question. Pourquoi on va le gêner? Au fait, conformément à la réglementation douanière, tout produit subventionné ou exonéré pour des buts donnés, à des fins données, doit être utilisé dans le cadre strict de cette mesure. Parce que vous savez, l'exonération ou la subvention, l'exonération c'est une... mesure déception. C'est, en réalité, une marchandise doit accomplir les formalités et payer les droits et taxes. À partir du moment où la marchandise n'a pas payé et l'État a renoncé au paiement des droits et taxes, l'État, c'est une manière pour l'État de subventionner. C'est aussi une subvention. Les exonérations sont une forme de subvention. Au-delà de ça, les intrants agricoles sont exonérés dans un premier temps. Et en plus, pour l'achat, l'État débourse encore de l'argent. Donc, sur les intrants, vous voyez que l'État
fait doublement plus d'efforts, c'est honoré, oui. Et l'État débourse encore de l'argent pour son achat. Or, ces mesures, c'est pour les populations béninoises, ce n'est pas pour autres. Même les pays développés, vous voyez qu'il y a des mesures douanières pour leur population et autres, mais ici, on ne doit pas sortir ça. Et le code, le législateur a bien fait de prévoir des dispositions légales par rapport à ça. Quand vous le faites, il s'agit d'un détournement de marchandises de sa destination privilégiée. Mmh. C'est comme de l'argent, par exemple. On vous dit, vous devez prendre l'argent pour faire quelque chose, vous prenez pour faire autre chose. Il s'agit d'un détournement. Oui. Donc, à partir du moment où on dit les intrants sont destinés pour les populations béninoises, et vous sortez, vous envoyez à d'autres populations, ça devient détournement de marchandises de sa destination privilégiée. Et le cas des intrants, je voulais ajouter aussi, en dehors du fait que même si le gouvernement n'avait pas demandé que les intrants ne sortent pas du territoire, la douane pouvait arrêter tous ceux qui sortaient ces intrants du territoire. Mais au même moment, bien que ça soit exonéré et que légalement on pouvait même combattre la sortie, le gouvernement a sorti encore, il y a des actes réglementaires qui interdisent cette sortie. Donc, pour ce produit, pour cette marchandise spécifique, c'est-à-dire l'encadrement est strict. L'encadrement est strict et en réalité, personne, sauf si les gens veulent s'amuser avec la loi, personne ne devrait tenter de les sortir du territoire, malgré les sensibilisations et autres qu'il y a eu. Est-ce cette opération que vous avez menée, le quadrillage du terrain, est-ce la seule opération ou il y a d'autres opérations importantes que vous avez déjà réalisées au niveau des douanes? D'abord, je voulais vous souligner que ce n'est pas parce qu'on nous a demandé d'avoir plus de vigilance et sur les intrants agricoles que nous avons laissé la surveillance en ce qui concerne les autres marchandises. Oui. Parce qu'au même moment que nous faisons le contrôle de routine en ce qui concerne les autres marchandises et par rapport à notre plan de contrôle annuel, nous contrôlons aussi et les intrants agricoles. Et tantôt, je vous avais dit que nous avons déjà fait deux saisies. Mais vous savez, bon, on ne communique pas actuellement. Oui. Je crois que la politique de la hiérarchie actuelle, il ne s'agit pas de communiquer pour communiquer. C'est quand on a des résultats, quand il y a une prise importante comme celle-là qu'il faut venir quand même communiquer. Ce n'est pas parce qu'on veut montrer que la douane travaille, mais c'est aussi une forme de sensibilisation des populations pour que ceux qui s'adonnent à ces actes sachent qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi. Est-ce que vous n'allez pas intensifier la sensibilisation? C'est sûr et certain que ceux-là qui s'adonnent à ce genre, je dirais, d'opérations ne sont pas suffisamment informés du dispositif mis en place, du contrôle que vous faites. Je crois que notre DG actuel, quand il y a des mesures, il demande toujours qu'on aille sensibiliser, qu'on rencontre les élus locaux, les populations, pour leur dire à quoi ils s'attendent. Parce que ce n'est pas au moment où on va commencer par appliquer la loi qu'il faut commencer par demander pardon et autres. Donc, on a sensibilisé suffisamment les gens. Et lors des tournées gouvernementales, il y a eu sensibilisation. Les gens en ont parlé. Il y a eu des communiqués, je crois, je ne sais pas si chez vous, il n'y en a pas eu. Il y a des communiqués de presse partout. Aujourd'hui, si un Béninois affirme qu'il n'est pas informé, ça veut dire que, excusez-moi, ça veut dire que celui-là est de mauvaise foi. C'est pour ça qu'au fait, quand on dit que nul n'est censé ignorer la loi, et d'autres vont vous dire un pays à 70% du taux d'analphabète, on ne peut pas affirmer ça. Et c'est pour ça que, pour ne pas dire qu'on ne connaît pas la loi, que nous avons sensibilisé. Parce que les actes qui posent, par exemple, cet acte-là, ça peut conduire les auteurs en prison. Ça peut conduire les auteurs. Et qui sont véritablement les auteurs? Est-ce des Béninois ou des commerçants étrangers qui sont venus au Bénin s'approvisionner en engrais? Bon, vous savez, pour le moment, je crois que dans les dispositions répressives, il y a l'aspect enquête, il y a l'aspect privatif de liberté. Et je crois que c'est ceux qui sont compétents, les structures de l'État compétentes, qui vont faire la lumière sur ça. La justice, je ne vais pas
me mettre à dire les auteurs parce que il y aura le volet judiciaire, c'est la justice. Et peut-être les officiers de police judiciaire, ils vont faire les enquêtes pour identifier les tenants et les aboutissants. Ce qui est sûr, c'est des intrants subventionnés, vous avez vu les images, qui ont été achetés chez des Béninois. Mais au même moment, je voulais dire quelque chose. Ceux qui vendent ces intrants aussi sont complices. Parce que la réglementation dit, à partir du moment où vous vendez pour tirer un profit, vous êtes complice. Et conformément à la loi, le complice est puni de la même peine que l'auteur principal. Alors, pour ce cas, pour peut-être aller très vite, pour ce cas, il y aura deux sanctions. Oui. Il y a l'article 459 qui réprime ce que nous appelons importation sans déclaration. Et conformément à l'article 467 et 472 du Code des douanes, un détournement de marchandises de sa destination privilégiée est considéré comme une importation sans déclaration. Et la sanction, comme je le soulignais tantôt, est prévue par l'article 459. Il s'agit d'une amende allant d'une à deux fois la valeur de l'objet de fraude, c'est-à-dire les 40 tonnes, il faut prendre leur valeur. Et quand on dit la valeur ici, ça dit les coûts plus le dédouanement. Même si la marchandise est exonérée, pour pouvoir faire la procédure, on considère la marchandise en droit commun. Et ensuite, le moyen de transport sera confisqué, c'est-à-dire le camion. Le camion, oui. Si éventuellement, il y avait d'autres marchandises qui avaient servi à cacher la fraude, il faut les confisquer. Et enfin, les auteurs, complices et co-auteurs seront poursuivis et ils peuvent encourir des peines allant de six mois à deux ans d'emprisonnement. Voilà, par rapport à ça. Et la législation ne dit même pas la quantité. Ça veut dire que même si tu prends un kilo, à moins que c'est la justice qui voit, même ça veut dire que quand tu sors un kilo, tu encours les mêmes peines. C'est la justice qui va décider de la peine à vous infliger. Voilà. Quel est alors le message que vous avez à l'endroit de ceux-là qui vous suivent ou de ces personnes qui seraient peut-être tentées d'opérer frauduleusement? C'est pour leur dire qu'en dehors des intrants agricoles, compte tenu de la situation économique internationale et de ce que nous disons, en dehors des intrants agricoles, les Béninois doivent savoir que tout produit exonéré, c'est-à-dire subventionné par l'État, quand c'est utilisé à d'autres fins, les dispositions que je viens de citer tantôt leur sont appliquées. C'est une infraction douanière. Même si le produit les appartient. Mieux, c'est pour leur dire aussi que, je crois que les collègues de Djougou l'ont souligné, la population doit collaborer. Les pays développés, quand quelqu'un se met au travers de la loi, il faut que nos populations apprennent à dénoncer les comportements suspects aux forces de l'ordre. Si c'est du côté de la douane, il y a même des dénonciations anonymes que nous prenons. Donc, la population n'a qu'à savoir que l'administration des douanes travaille pour les populations. Et d'éviter peut-être que ceux qui font ces actes, parfois, les gens nous agressent. Parfois, quand les gens font ces fraudes, nous sensibilisons, ils ne veulent pas, et on veut les prendre. Ils soulèvent la population contre nous. La population ne comprend pas. C'est tout comme si ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Nous faisons ces trucs-là. Je crois que c'est ça qui permet, entre autres, nous faisons partie des régies de l'État. Entre autres, c'est ça qui permet de construire les hôpitaux, les écoles et autres. Et cette population doit collaborer et protéger même la douane. Il ne sert à rien parce que nous voulons et nous luttons contre des comportements qui, normalement, ne les profitent pas. Ils vont se mettre à nous attaquer, à nous diaboliser. La population doit collaborer et dénoncer tous ceux qui vont tenter d'exporter, de sortir frauduleusement du territoire national les intrants agricoles et d'autres marchandises qui sont éventuellement exonérés ou subventionnés. Voilà, avant de vous laisser partir, nous avons dit que vous êtes en état de veille. Est-ce qu'il y a des numéros qu'il faut appeler, des contacts à mettre à la disposition de ceux-là qui ont peut-être des informations à vous communiquer? Oui, vous voyez, et d'abord, avant de répondre rapidement à vos questions,
C'est pour dire que l'action, les actions que nous menons n'est pas, ne sont pas des actions ponctuelles. C'est des actions qui vont durer dans le temps, jusqu'au moment où les gens changent de comportement. Et les actions qui se mènent ne se mènent pas seulement au niveau d'un seul département. Ça se mène sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons désormais engagé un bras de fer contre les contrebandiers, les fraudeurs qui pensent qu'ils peuvent contourner la loi, la réglementation en ce qui concerne le mouvement de ces marchandises. Les contacts, je crois, au niveau des... Je pourrais donner les contacts de chaque chef service, mais bon, je crois au niveau de l'administration des douanes, il y a un numéro vert qui déjà fonctionne avec le site internet. Et ce que moi je vais peut-être vous demander, il faut quand même que au niveau des régions, vous savez que compte tenu des problèmes de connexion et aujourd'hui avec l'avènement des GSM, il n'y a plus de numéros administratifs ou les numéros les numéros de téléphone au niveau des régions. Avec l'autorisation de Mariachi, on va prendre des numéros des collègues au niveau de chaque région, au niveau de chaque unité, comme la police le fait, et on va ultérieurement on va communiquer ces numéros pour que partout les Béninois soient, qu'ils soient à Cotonou au nord, ils puissent donner les informations. Donc prochainement, on va prendre l'autorisation de la hiérarchie et vous communiquer les numéros au niveau de toutes les régions. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être passé par ici, lieutenant-colonel Marcelin Laroux, chef service régional de lutte contre la fraude au niveau des douanes béninoises. Nous allons poursuivre et dans un instant, on va recevoir Herman Aniambosu d'Andura, l'ex-Sedlex, puisque nous sommes mercredi. Aujourd'hui, on parle du harcèlement sexuel avec maître Alexandrine Saizonou Bidier, avocate au barreau du Bénin. Bonne fête, maman! Pour toi, je ferai tout. Et pourtant, j'ai toujours parlé des boutiques Aloe Neo dans cette maison. Maman, pour toi, je ferai tout. Maman, yo, maman, yo. Ne wolo na se yo. Maman, yo, Et oui, Mikem Technologies met le sourire aux lèvres aux mamans jusqu'au 10 juin à travers sa promo spéciale Fête des Mères sur toutes les gammes de produits. Et pour ne plus vous casser la tête, faites comme moi en offrant à maman un chèque cadeau Mikem Technologies d'une valeur allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Produit sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison disponible. Contact 60 00 66 66. Placé en Paris, rendez-vous sur le site ou téléchargez l'application OneXBet, société de bookmaker. Herman, le harcèlement sexuel, sujet d'actualité, on en parle. Oui, deux mots, harcèlement et sexuel. Oui. Harcèlement d'abord pour nous dire ce que c'est, et sexuel. Pourquoi on parle de harcèlement sexuel? Parce qu'il y a harcèlement psychologique, harcèlement sous toutes les formes. Maître Saizonou Bidier, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour monsieur Ariane. C'est quoi le harcèlement? En fait, le harcèlement, c'est la pression exercée de manière constante sur une personne, à l'encontre d'une personne. Oui. Donc, l'idée de répétition est là. C'est-à-dire, la pression est constante, elle est faite de manière... C'est sans répit que la personne est harcelée. Donc, quand c'est un acte isolé, il n'y a pas encore harcèlement. Il n'y a pas harcèlement. Il faut qu'il y ait la répétition. Voilà, une certaine constance par rapport aux actes qui sont reprochés. Il y a plusieurs formes de harcèlement. Bien de sûr, nous avons le harcèlement moral. Le harcèlement psychologique, nous avons, en fait, les typologies de harcèlement, il y en a beaucoup. Il y a le harcèlement qui est exercé dans la rue, le harcèlement peut être exercé au niveau du marché, ça peut être moral, ça peut
avoir pour objet d'obtenir des faveurs sexuelles. C'est en ce moment-là qu'on parle du harcèlement sexuel. Quand le but visé, c'est d'obtenir des faveurs sexuelles pour soi-même ou pour autrui. Est-ce qu'on peut donc conclure, maître, qu'on parle du harcèlement sexuel quand il y a présence continue de deux éléments? Par exemple, vous et moi. Si on se voit qu'une seule fois l'année, il n'y aura pas harcèlement. Si on se voit une fois par une seule fois dans la vie, fois dans la vie et que vous ne me dites rien, oui. Je ne suis pas harcelé, vous ne me dites rien. Le harcèlement peut être, comme je l'ai dit, de toutes sortes. Vous ne me dites rien, bonjour Ayman, bonjour maître Sazonou, tu es bien habillé, et ça s'arrête là. Je ne peux pas dire que c'est du harcèlement. Je ne peux pas dire que c'est du harcèlement, mais quand je viens aujourd'hui, ah, vous avez porté une robe, ah, on voit ce beau décolleté, les enfants au balcon, ah, vous avez, et puis on me tapote pas ici, aujourd'hui on le fait, demain on trouve toujours quelque chose à dire. Ça peut être de gentils mots pour m'amener à accepter, pour donner ce que la personne veut au plan sexuel. Ça peut également être du harcèlement, de la méchanceté, juste pour ébranler la personne. Et c'est là qu'on parle du harcèlement moral. Le harcèlement sexuel, c'est vrai, c'est moral, ça peut être psychologique et également sexuel. Mais le harcèlement tout court pour obtenir, par exemple, de la méchanceté, tout simplement pour me déstabiliser parce que la personne là a des avantages quelque part ou bien et travaille mieux dans tel domaine, il faut l'ébranler par rapport à ça. Bon, toi tu triches, non? Ou bien la personne passe dans la rue et un groupe de jeunes assis, juste pour l'emmerder, commence à siffler, on lui trouve un sobriquet. Ça aussi c'est du harcèlement. Tous les soirs que la personne passe, on se met là exprès. Pour la siffler et puis l'appeler par son sobriquet. Quand ça se fait, quand ça se passe de manière répétée, il y a du harcèlement. On ne laisse pas de répit à la personne. On accule la personne pour obtenir soit ce qu'on veut, mais ou bien pour déstabiliser la personne, lui faire mal, ou bien amener la personne à vous donner ce que vous voulez. Ça peut ne pas être des faveurs sexuelles. Ça peut être de l'argent que vous demandez à quelqu'un d'aller vous prendre, d'aller voler chez ses parents. Et vous le harcelez, tous les jours, vous l'appelez. Si tu ne m'amènes pas demain, je te fais ci. Si tu ne m'amènes pas demain, je... Donc le harcèlement, on ne peut pas dire que c'est seulement sexuel. Le harcèlement a plusieurs... Quand on parle du harcèlement sexuel, maître, est-ce que c'est seulement vis-à-vis de la femme ou bien ça peut être également de la femme vers l'homme? Comment ça se passe? Je ne sais pas pourquoi les hommes sont braqués. Quand on parle de quoi que ce soit qui a accès au sexe, ce n'est que les femmes. Le harcèlement, une femme, un homme peut être harcelé. Et nous savons très bien que les hommes aussi sont harcelés. Entre 13h et 15h, où on vient vous agresser, vous harceler, on le fait aujourd'hui, demain, c'est pour vous proposer aujourd'hui peut-être un pain. Demain, on vient avec des sachets de bonbons. Après, demain, on vous dit, ah, vous n'avez pas faim, je vais vous amener tout ça. Et on commence à vous faire des petits doux. On va même jusqu'à vous jeter dans votre divan, fauteuil que vous avez au cabinet. Dans votre bureau. Cela veut dire que les hommes aussi peuvent être harcelés. C'est vrai, la preuve est la leçon du droit. Comment arriver à prouver le harcèlement? C'est ça qui est difficile. Et aujourd'hui, heureusement qu'il y a les nouvelles technologies qui peuvent permettre aux personnes à viser de se constituer des preuves. Par exemple, les messages qui sont envoyés, vous ne les effacez pas, vous les faites transcrire par un huissier. Ou bien vous les apportez à la police qui les lit et qui les transcrit dans son PV. Les habits, par exemple, vous allez, la personne vous harcèle et vous agresse, vous avez peut-être les habits déchirés et autres. Vous avez, en fait, il faut être très, très subtil. Et aujourd'hui, on a des gagés comme des enregistreurs. Vous pouvez avoir ça, mais je pense que les hommes aussi, qui harcèlent souvent, ont changé de fusil d'épaule, de méthode. Parce que j'ai appris
qu'on invite la secrétaire ou bien la personne qu'on vient harceler, on lui dit tu déposes tous tes téléphones, là tu viens les bras ballants. Ce qui fait que la personne n'a rien pour pouvoir. Et quand je vous appelle, vous venez sans vos. Il n'y a rien sur vous. Il n'y a rien, mais quand vous sortez, vous sortez tout de suite, la première personne que vous voyez, qui vous voit de manière. Débraillée, un peu angoissée, peut dire ah, j'ai vu telle personne à telle personne. Mais nous sommes dans un pays, comme je le dis souvent, où on n'a pas le courage. On n'a pas le courage de dire les choses comment ça se passe. On critique dans nos salons, on critique derrière les rideaux, mais à dire à quelqu'un ce que tu fais, ce n'est pas bien. On n'a pas souvent ce courage-là au Bénin. Donc, la première personne que cette personne harcelée a vue, à qui pouvait témoigner, ouais. qui est encore dans les liens de, si c'est l'employeur, le patron, ou bien un collègue ou un chef de service, qui est encore dans les liens de subordination avec cette personne, n'aura pas le courage de le dire. Ouais. On n'aura pas le courage de le dire, même si le test a prévu, les personnes qu'il faut informer. Je peux lire, si vous me permettez. Allez-y. L'article 12 de la loi sur le harcèlement sexuel a disposé que la victime peut avertir directement son employeur, son délégué du personnel, son organisation syndicale, son directeur d'établissement, son patron, l'inspecteur de travail, les centres de protection sociale, les forces de sécurité publique, les autorités judiciaires et les associations de défense qui ont une personnalité morale. On va ajouter l'INF. Parce qu'on peut informer l'INF qui, aujourd'hui, même si la personne harcelée ne veut pas, l'INF peut prendre le devant des choses. Ce que je dis, c'est que les personnes qui sont harcelées doivent savoir que la preuve est difficile et prendre toutes les précautions. Et faire la différence entre le harcèlement ou la drague, tout simple. C'est ça surtout, on n'arrive pas à faire cette distinction-là. On pense qu'une fois qu'on a dragué on a voulu insister un peu, on pense déjà... Mais ça dépend de la façon dont vous insistez. Si vous insistez sans agacer, si c'est sans répit, la dame vient au boulot le matin ou le monsieur vient, il ne peut pas... Travaillez tranquillement. Vous venez, ah, tu es jolie, hein? Ah, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Vous êtes tout le temps dans son fou et en train de l'agacer. La personne n'a pas de temps. Vraiment, la personne se sent acculée. Est-ce qu'il oblige à dire, bon, vous me harcelez? Mais les juges, comme je l'ai dit tout le temps, en matière pénale, le juge juge selon sa conviction. Et nous avons affaire à des hommes et à des femmes. Et qui souvent, c'est le comportement même de la personne à la barre. Ah oui. Sa façon de déposer, ses mimiques, ses réactions quand elle se rappelle des faits, peut permettre au juge de se dire, ah, là, il y a quand même un peu de sincérité. Ouais. Parce qu'il y a tellement de méchanceté aussi. J'ai eu un cas, un monsieur qui est allé dans un bar et a consommé avec ses amis pour plus de 47 000 francs. Et il y avait une jeune dame qui était là, qui a vu que ce monsieur-là, il y a de l'argent. Et il a essayé de harceler le monsieur qui n'a pas, peut-être que la femme ne lui plaisait pas, qui n'a pas succombé. Et cette femme est partie à la police pour dire, ah oui, j'ai été agressée par le monsieur, il m'a violée, je suis enceinte. Le dossier a été présenté au parquet. Et c'est les informations, les renseignements, l'enquête qui a prouvé qu'elle mentait. Et au parquet, elle-même l'a reconnu. Que c'est parce que le monsieur, elle voulait du monsieur. Dénonciation calomnieuse, donc. Et puis, donc voilà. Donc, il faut faire la différence. Le juge fera la différence entre notre méchanceté béninoise qu'on connaît et puis la réalité et des faits. Je dis qu'il faut que les hommes soient. Les hommes aussi peuvent être harcelés. Et puis, le mal, c'est que quand les hommes sont harcelés, leur ego fait que, c'est parce que je suis beau, je suis important. On ne veut pas dénoncer. Alors que la femme dénonce quand ça ne lui plaît pas. Quand ça plaît à la femme aussi, personne ne sait. Parce que le harcèlement, c'est sûr, c'est sévèrement puni, vous avez dit, maître. Le harcèlement, c'est sévèrement puni. La peine maximale, c'est 2 ans. Ouais. Mais quand il s'agit du harcèlement. 2 ans. Quand il s'agit du harcèlement d'un apprenant, d'un enseignant sur son apprenant, c'est entre 3 et 5 ans. Ou bien quand c'est les parents biologiques ou les parents adoptifs. Voilà. C'est prévu par les tests, en tout cas, les différentes sanctions. Vous savez, parler du harcèlement, parler de ces infractions. J'ai oublié de vous parler du harcèlement conformément à l'article 550 du code numérique. Vous savez, là c'est aussi le harcèlement. Le code, l'article 550 du code numérique l'a prévu. Le harcèlement par les réseaux sociaux.
Ça se fait aussi. Ça se fait. Ça se fait. Si vous me permettez, je peux vous donner la définition, si je l'ai avec moi, sous la main, là. Oui. Ce que l'article 550 dit, je vois monsieur regarder sa montre. Oui, allez-y, allez-y. Si vous me permettez, je peux y aller. Oui, allez-y, voilà. 550 du... Il faut que je retrouve mes notes aussi. Hein. Tout à fait. Voilà, l'article 550, le harcèlement par le biais d'une communication électronique. Quiconque initie une communication électronique qui contraint, intimide, harcèle ou provoque une détresse émotionnelle chez une personne en utilisant un système informatique dans le but d'encourager un comportement grave, répété ou hostile, est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 10 millions de francs CFA. Mmh. Quiconque aura harcelé par le biais d'une communication électronique une personne, l'article 150 est là. Mmh. C'est sur cette base-là que souvent certaines personnes sont poursuivies, ouais. Aussi bien devant la criette. Ouais. Merci. Merci, maître Huissan. La suite, c'est... La suite, c'est... C'est la revue avec Kassim Kanyasengo. On va suivre ça et puis vous allez conclure. Allons-y. À toutes et à tous, bonjour. Nous sommes le 1er juin, journée nationale de l'arbre, une occasion pour la mise en terre de plusieurs espèces de plants. Et aujourd'hui, plus qu'hier, Fraternité rappelle encore le vaste projet 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Ce projet dont les actions étaient visibles sur toute l'étendue du territoire national et inondait quotidiennement les médias, reste encore gravé dans les esprits. À l'époque, toutes les parties prenantes, du président de la République aux citoyens, en passant par les ministres, députés, maires et autorités locales, voulaient inscrire leur nom dans les annales en restaurant la nature. Ce fut un projet très ambitieux dont les traces sont aujourd'hui de moins en moins visibles. En effet, de juillet 2013 au 8 octobre 2014, avec l'appui des partenaires techniques, le projet 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres a été lancé et mis en œuvre dans le but de procéder à la densification progressive du couvert végétal et à la reconstruction des habitats dégradés afin d'atténuer les effets des changements climatiques, mais aussi de lutter contre la désertification et de protéger la biodiversité. Le journal d'estimer que même si le gouvernement n'entend pas exhumer le projet 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres, il faut tout de même des campagnes de reboisement plus fréquentes. Et une contribution de Dr Tanguy Agoy, il faut légiférer en imposant le nombre d'arbres qu'il faut avoir au mètre carré de construit. Au sujet de la recrudescence des enlèvements au bénéfice vif d'Afrique, renseigne que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a animé un point de presse mardi lié au phénomène des enlèvements dont les prétendues victimes sont pour la plupart en complicité avec leurs pseudo-ravisseurs. Pour le ministre, Alassane Seydou, c'est la recherche du gain facile qui amène une frange des concitoyens à adopter ce genre de comportement déviant. Alassane Seydou rassure que la police républicaine, en liaison avec les autorités judiciaires, travaille sans relâche pour débusquer les auteurs de telles pratiques. L'autre sujet qui intéresse aussi Fraternité ce jour, c'est le renforcement de capacités des guides touristiques. Le journal souligne alors que la dynamique en cours dans le secteur du tourisme reçoit un nouveau coup d'accélérateur. Dans sa volonté de hisser le tourisme au rang de deuxième pilier de l'économie nationale et d'œuvrer pour la professionnalisation du secteur, le gouvernement du président Patrice Talon a initié un programme de renforcement de capacité des acteurs touristiques. Pour sa mise en œuvre, une première cohorte de 54 guides du tourisme retenus à l'issue d'un appel à candidature a été mise en formation depuis le 30 mai 2022 au niveau des cinq pôles touristiques. En éliminatoire Cannes 2023, le Bénin défie le Sénégal ce 4 juin, affiche le confrère de la matinée pour lequel, pour cette première manche du long marathon qui mène à la qualification, les poulains de l'entraîneur intérimaire Moussa Latounji ont le moral haut. Ils sont conscients du défi à relever. Quand on voit la dynamique d'aujourd'hui et les dernières performances réalisées par l'équipe nationale,
On peut dire que les écureuils ne craignent rien, aucun adversaire ne leur fait peur. À plus forte raison, le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, Karadaka, les ambassadeurs sportifs béninois veulent créer la surprise. L'économie numérique, c'est le premier titre de la parution de ce jour de l'économiste du Bénin qui note qu'il existe un déficit majeur de compétences dans le secteur mondial du numérique pour satisfaire la demande qui devient de plus en plus pressante. C'est le constat fait par les experts réunis à Davos dans le cadre du sommet mondial de 2023 du World Economic Forum. Merci d'avoir suivi la revue de presse. C'est terminé pour ce mercredi 1er juin 2022 chez vous. C'était Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée. Et n'oubliez pas de planter des arbres, tout au moins un arbre en cette journée. Merci à tous. Bonne journée. Gardez le sourire. Au revoir.